Salut tout le monde. Nombreux d'entre nous ont connu avec la nouvelle version de Unreal Engine 5 le problème du media player. On avait du mal à faire fonctionner nos vidéos sur le media player de Unreal Engine 5. Moi personnellement, j'ai perdu des heures à essayer de fixer ce problème, qui n'était pas du tout connu sur la version 4, mais avec la et même sur la version Early Access de Unreal Engine 5, le problème on n'avait pas ce problème, mais avec la nouvelle version, la version finale, j'ai eu ce problème et comme je vous ai dit, j'ai perdu plusieurs heures à essayer de fixer ce problème. Et finalement, j'ai trouvé la solution sur le forum de Unreal Engine. C'est un utilisateur. Merci à lui qui a donné la solution. La solution, elle est toute simple. Je vais vous montrer maintenant. Là, je vous montre le problème. C'est que les vidéos ne sont pas lues sur le Media Player de Unreal Engine. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai mon fichier vidéo que j'ai mis sur. Que j'ai mis sur le dossier Movies et normalement ça doit marcher, mais ça marche pas. Bah, la solution elle est toute simple, en effet, elle est toute simple. Il suffit d'aller sur le setting, les paramètres du projet, Project Setting, puis aller sur Plateforme. Windows et là sur Default RHI, ben, au lieu de DirectX 12, on va mettre Default tout simplement. On va mettre Default, on va redémarrer et normalement ça devrait marcher sans le moindre problème. J'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé la solution. Heureusement que la solution était sur le forum de Unreal Engine, mais j'ai passé vraiment pas mal d'heures à essayer de trouver la solution et finalement j'ai pu la trouver et j'ai voulu la partager avec vous. Là, normalement, notre problème il est résolu. On va voir, ben, on va sur le Media Player et on clique et voilà, notre vidéo elle fonctionne sans le moindre problème. Vous pouvez voir, là, je vais essayer de faire marcher le truc. Et comme vous pouvez voir, la vidéo fonctionne. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut mettre une vidéo sur une interface de télé comme ça. Si vous ne connaissez pas le truc, bah, je vais vous montrer comment faire. Ah, merci, j'espère que j'ai pu aider quelques-uns et à la prochaine vidéo.